Et on est de retour pour la suite de ce stream du dimanche, au calme, tranquille, relax. On est sur, comme toujours, le dimanche après-midi à partir de 17h sur Thimbleweed Park, le jeu Point and Click. On arrive tout doucement vers la fin de la quatrième partie, donc on va voir si on peut finalement... On atteint le penthouse la dernière fois, donc on va voir ce qu'on peut faire cette fois-ci. Allez, c'est parti, on va déjà lancer le jeu. Alors, on va charger notre partie. C'est ici. On était à 17h de jeu. Alors, de ce côté-là, pour le fantôme, notre ami le fantôme, il fallait donc se rendre au tombeau de Chuck pour tourner la page. Enfin, c'est surtout, il faut se rendre au tombeau de Chuck pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Puisque Dolores a besoin de rentrer à l'intérieur, mais ben, le switch se trouve à l'intérieur du tombeau. Donc, du coup, il faut appuyer sur un bouton. Il n'y a qu'un fantôme qui peut zapper, en fait, le bouton. Ce qui peut envoyer des charges électriques, ce qui est cool. Entrer dans la pièce secrète du penthouse. Alors le problème c'est qu'on a des runes qui nous bloquent. Et le problème c'est que Dolores ne peut pas aller au penthouse. C'est-à-dire que nous on a le droit, puisqu'on a la dernière fois on a donné le gâteau glacé à Clara qui est dans l'ascenseur. Parce qu'il y a un fantôme dans l'ascenseur. Et donc moi je peux appuyer sur le bouton, donc on va le faire, on va le refaire. Maintenant je peux appuyer sur le bouton, elle va me laisser aller au penthouse. C'est le dernier étage, c'est pour ça que c'est long. Le problème, c'est que voilà, la salle, elle se trouve là, où on doit aller. What's going on? Those runes are doing something to me. Voilà, elles nous repoussent. You know, float through the door. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui monte ici. Le problème, c'est que si j'envoie, c'est pas Dolores, on va dire, elle est déjà dans l'hôtel. On va essayer, hein. Shut up in there! Superman would totally fry Batman's ass! Ce dragon, il m'énerve. Dragon de pacotine. Quelle honte. Alors, vous voyez, si j'utilise le bouton et je vais au niveau du penthouse, à chaque fois Clara va... Voilà, faire That's comme weird. Avant. I swear I pushed the penthouse button. Must be broken. Non, c'est Clara qui nous embête, qui est le fantôme qui est juste là. Bon, alors déjà, bon, peut-être que notre ami le fantôme reparle à son ami. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Quoi. Parce qu'évidemment, on peut pas la laisser, on peut pas appuyer sur le bouton quand elle est dans l'ascenseur. Vous voyez l'astuce? On pourrait se dire, tiens, on va laisser Dolores dans l'ascenseur et appuyer sur le bouton. Non, ça fonctionne pas. Ça ne marche pas, j'ai essayé, vous pensez bien. Company, thank goodness you're back. Alors. Comment... How do we, you know, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse where he can cast. C'est ça qu'on veut faire. Probably own the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel and ça, je l'ai déjà le livre. Too, I think. C'est Dolores qui l'a, le livre aux morts. Et puis on a déjà les fleurs. Tiens, c'est quoi ça? Quel est... Ah oui. What's your favorite, you know, TV show again? Banana, banana, bananas. I know I shouldn't watch it. Whenever I hear the theme music, I can't resist sneaking a peek on the guest TV. Je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde ce programme-là. Vous savez, le type du quatrième, là. Bye and good luck, Clara. On va aller le voir, d'ailleurs. Le problème, c'est que elle est dans l'ascenseur, donc je sais pas si ça va fonctionner. On va aller au quatrième étage. Donc c'est la chambre... Non, c'est pas cette chambre-là. C'est la chambre 401. Ah bah voilà, il est là. Banana, banana, banana. Mais voilà le programme. Non, ça fonctionne pas parce qu'en fait, elle l'entend pas, quoi. D'accord. Il me semblait qu'il y avait une télévision à un des étages, en fait. Près de la porte. De l'ascenseur. Si on pouvait allumer cette télé là et puis que la porte de l'ascenseur soit ouverte, à mon avis. Non, c'est pas là. Bon,
On va essayer tous les étages les uns après les autres. Alors, il n'y a rien, que dalle. Onzième étage. Nope. Oui. Deuxième étage. Ah, là voilà. Ok, alors attendez, on va voir si ça, le plan va fonctionner. This channel is just static. I should find another channel. Donc c'est bon, on peut allumer cette télévision là. Par contre, il faudrait que la porte de l'ascenseur se reste ouverte. That on the TV. Ah! Nothing interesting. Back to duty. Ah non, mais c'est pas ça, c'est pas le bon programme. C'est les chats qui attaquent les gens. C'est pas gentil. It's now showing banana, banana, bananas. D'accord. Alors, un pion. Là, elle va être intéressée. What is that on the TV? Oh, my, it's my favorite. Oui! Banana, banana, bananas. Elevator duty can wait. Well, at least for a little now. Ok, maintenant je peux appeler Dolores. Ça c'est bonheur ça. Allez. Utiliser. Elle peut maintenant accéder au penthouse. Cool. Alors, utiliser. Voilà, Xavier pourra rien faire. This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Cleta's in so much trouble next time I see her. Ah, du coup, je peux ouvrir la porte. Les runes n'ont aucun effet sur moi. Ok, voilà l'hôtel. Et on va voir. It looks like a book can be placed ouais, here. On va utiliser le livre des morts sur l'hôtel, comme ça avait été dit. Alors, voir le livre. Alors, placer le livre des morts sur un hôtel agréé sous licence officielle, toute utilisation blablabla. Place un objet vivant à trouver à proximité de la tombe. Bah, c'est les fleurs, ça, c'est bon. On pourrait utiliser les fleurs sur l'hôtel. The book is glowing. Oui. Alors, comment on fait déjà? Il faut lire, parler. I don't know what words to say to cast the spell. Bah, non, c'est rien. Maybe only certain people can read the spell itself. Alors, on va peut-être utiliser Frank, du coup. Voilà. Zap, hop. Attends, j'ai accès à la salle secrète, puisque les, la porte est déjà ouverte. Les runes n'ont plus aucun effet, visiblement. Mignon. Ah bah voilà. It looks ready for me to say the spell. Mumbo jumbo. Oui. Mumbonius jumbonius. Let me visit my dead relatives. Alors logiquement, on arrive dans le cimetière. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. Attends, on peut passer la porte du coup. Voilà le fameux interrupteur qu'on voulait ouvrir depuis tout ce temps. Ah ben voilà, c'est bon. Cinquième partie, la lecture. C'est la lecture du testament, j'imagine. Charmant, now all three of Chuck Edmund's stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah blah blah, legalese here. Ah yes, it is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Dolores? Yes? Dolores? Madam, quiet please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? C'est qui ça? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. What? Oh my. Quoi? Que tout soit rasé? What the fuck? The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will. Et comment on peut mettre un truc dans un testament comme ça? Print, Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Quoi? Un t-shirt? Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel.
Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug, and your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, what the fuck? Never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Il les a déshérités, il veut tout raser, il donne tout Quoi, c'était ça? Cinquième partie, la fabrique. Non, sérieusement? C'était ça la cinquième partie? Ce foutage de gueule. Something is very wrong here. Ouais. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Je me demande si c'est vraiment un vrai testament. Bon, attendez, déjà, on repartit sur Dolores. Déjà, là, je vois un grain de poussière ici. On va le prendre. Voyons voir un petit peu la liste des trucs à faire. Alors, entrer dans la fabrique, découvrir ce qui est arrivé à papa. Ouais. Bah, ouvrir le sarcophage. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. On va peut-être repasser sur notre ami là. Parler. Dolores didn't want to run your stupid factory. Turn lemons into lemonade? I don't even like lemonade. You're a bully and a tyrant. Bon, attends, c'est pas ça que je veux faire. I can't reach that. Alors, voyons voir, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Rejoindre l'au-delà. Et comment je suis censé faire ça? Est-ce que je dois aller vers le portail? Ah oui, il faut ce fameux cristal, attendez, il y avait un cristal là-bas. Un parler à Xavier. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Alors, puis-je utiliser le cristal? Can I please have the crystal so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room. Oui. And you'd be able to talk with the living. That's it. Ah, d'accord. Okay. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. On va peut-être retourner à l'hôtel, du coup. On va peut-être retourner à l'hôtel pour voir si Dolores pourrait pas s'emparer du cristal. Tant qu'à faire, on aurait au moins fini la mission avec Frank. Donc, utiliser. À moins que l'autre ne me laisse plus pas entrer. On va voir si je peux accéder au penthouse, toujours, dans la sixième partie du jeu. Well, back to work, Abou. En tout cas, c'était rapide dans la cinquième partie. Avisement, il est plus là. Hein. Donc, on peut accéder à la penthouse. Cool. Attends, ça fonctionne. Ah mais je le vois pas le cristal, c'est un cristal fantôme, c'est dégueulasse. Pas normal ça. Bon, alors, obtenir 19 grains de poussière encore. Ouais. Il y en a pas un que j'ai loupé ici des fois? La pièce est grande quand même, hein. Et puis là aussi, peut-être qu'il y a des grains de poussière, voyons voir. Ah oui, il y en a un là. Ah, attendez. Prendre le grain de poussière. Voilà. Ça fait plus que 18 à trouver. Bon. Bon, voyons les autres missions des autres, ce qu'ils ont encore à faire, eux. Alors, voler les secrets de l'IA de la fabrique d'oreiller, mais pour ça, il faut rentrer dans la fabrique. Pour ça, il faut rentrer dans la fabrique, les gars. Donc, il faut qu'on voir qu'on s'y rende. Voilà, lui aussi, il doit rentrer dans la fabrique. Lui aussi, elle aussi, tout le monde veut rentrer dans la fabrique. Bon, déjà, elle a un t-shirt, elle. On va déjà aller à la fabrique, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être que le t-shirt peut nous aider à rentrer dans la fabrique.
Ok, voyons voir ce qu'on avait sur nous. C'est quoi ça? Non, c'est un presse-papier. Voilà, regardez le t-shirt. I'm not wearing it. Oui, mais je veux juste le regarder. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Bon. Bon, alors, visiblement, c'est pas le t-shirt qui va nous aider. Alors, déjà, je pense qu'on avait un manuel de sécurité, il me semble. Ça, c'est le guide d'indice, c'est pas ça. Il y avait un manuel de sécurité pour entrer dans la fabrique. Est-ce que je l'ai là ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a? Alors, regardez la pointeuse. Faut mettre quelque chose ici, visiblement, pour pouvoir interagir avec la pointeuse. Un badge, sûrement. Ok. Alors, regardez le manuel, c'est peut-être ça, en fait. D'accord. Lors des rondes, assurez-vous que chaque pointage auprès d'un boîtier de sécurité lieu au cours des 5 minutes suivant l'enregistrement précédent. Si l'heure correcte est saisie, la lumière du poste de sécurité deviendra verte. D'accord. Donc là, il faut qu'on ait toutes les lumières qui deviennent vertes. Il faut que tout soit désactivé avant de pénétrer dans l'enceinte de la fabrique. Si cela se produit, il se peut que le type principal PF001 doit être initialisé. Tiens, peut-être que c'est justement ça. Seul le PDG de Pillowtronics 1 connaît les instructions relatives à la réinstallation du initiation du PF001. Pour plus d'informations sur la sécurité des codes horaires, appelez le 24. Ah ah, il y a un numéro de téléphone. Ok, alors on va utiliser le téléphone portable de l'agent. Voyons voir ça. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 5:15. 5:15, la première station, c'est-à-dire que après ces autres, c'est 5 minutes pour toutes les autres. Alors attendez. Là, c'est la station 2, donc c'est pas la bonne station. Le problème, c'est que j'ai pas le badge, comment je fais moi? J'ai repéré la station numéro 1. Station numéro 3. Où est la station 1? C'est quoi ça? Utiliser. It looks like the battery is dead. It's my specks of dust. Alors, utiliser l'extracteur de tube à vide sur... Est-ce qu'on peut l'utiliser? It's a special tool to remove vacuum tubes in the TX and AT class. It only works on vacuum tubes. Bah oui, mais ça fonctionne pas là-dessus. La batterie est à plat. D'accord. Alors, voyons voir. On va peut-être aller nous-mêmes aussi également à la fabrique. J'imagine qu'il va falloir que plusieurs personnes en même temps peut-être pour ouvrir. Station numéro 1. Où elle est? Si je cherche la station numéro 1, elle est où? J'ai la station numéro 2. Alors, ah bah elle est peut-être là. Alors c'est la première, donc utiliser peut-être la montre de poche dans la pointeuse. Ah oui, c'est ça, c'est la montre de poche. Il faut peut-être que je change l'heure. Alors, le truc bon, c'est 5:15. Alors, 5. Oui. Yes. Not leaving that watch behind. Bien sûr. Ensuite, on va aller à la station numéro 2. C'est 5 minutes hein, maximum entre chaque station. Utiliser la montre. J'aurais jamais imaginé que c'était ça. Donc, on va mettre 5:20. Voilà. Cool. On va réussir à rentrer dans la fabrique, du coup.
Purée. Donc la clé, c'était la montre. La station numéro 3, elle est où? C'est pas là. Donc il faut mettre 5,25 en théorie sur la troisième. Voilà. Alors, il manque une station. Comment je peux faire? Et où sous la station numéro 4? Il y aura une quatrième station. Peut-être que c'est par là. Non. C'est quoi ça? It's an old discharged battery bolted into the truck. Ok, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Où est la station numéro 4? Là, c'est la 3. Par là. Voilà, c'est la station 1. Regardez, il y a un voyant rouge encore qui reste rouge. On peut aller par là, peut-être. Non. The doors are locked and there's no place for a key. Comment je peux faire pour trouver la station 4? It's locked and there's no handle. Station numéro 2. Alors peut-être qu'il faut aller de l'autre côté en fait. Non, pas non. Ça m'énerve. On est si proche de réussir là. Je trouve cette station numéro 4. Si elle était cachée derrière là, non? Cachée derrière ce truc là. Je parie qu'elle est derrière ce machin. Donc il faut qu'on déplace ce truc là. Utiliser. Alors peut-être pousser ou tirer le verrou de blocage. I can't move it with my hands. It's rusted in place. I can't move it with my hands. Il faut de l'huile ou un truc pour dégripper ça. Voyons voir ce qu'on a sur soi. Alors. I wonder what the guest is up to now. It's a very strange looking tool. I'm sure it has a very important use near the Mais end. Mais peut-être que je peux utiliser ça. Alors on va envoyer l'agent là-bas aussi du coup. Peut-être qu'on peut dégripper ça avec l'outil. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'elle peut faire. Elle doit rentrer également dans la fabrique, donc autant qu'elle soit sur place. La logique voudrait que l'outil débloque le verrou de sécurité. Alors, utiliser l'outil étrange sur le verrou de blocage. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Bon, alors faut peut-être de l'huile finalement ou de la graisse. Alors, on va voir ce qu'ils ont sur eux. Non. Le clown. La crème anti-démangeaison, ne me dites pas que c'est ça. Bon, allez, on va aller. Lui aussi doit aller dans la fabrique. Utiliser le plan du comté. Ce serait la crème anti-démangeaison qui permettrait de dégripper le mécanisme. Ouais, vous me direz, c'est tellement graisseux ces trucs-là. Allez, on ne s'endort pas. C'est le moment de faire travailler les ménages. Utiliser la crème anti-démangeaison. Et non, pas sur moi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, c'est dégoûtant. Oh, c'est horrible. Alors, on va peut-être donner la crème anti-démangeaison. Hey. If I use it too soon, my might fall off.
Donc c'est pas ça. Ça m'énerve. Boîte à serpent. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de bouger ce verrou à la noix, quoi. I hate this town. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un liquide radioactif. Peut-être que ça pourrait servir. Mais j'ai rien pour le collecter. Pigeon Brothers, plumbing, electrical and paranormal investigations. Peut-être que je pourrais we utiliser. Don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. Peut-être que je pourrais utiliser les pigeons, le plombier, mais il faut que j'ai accès à un annuaire pour ça. Alors, je connais pas leur numéro par cœur. Pigeon Brothers. On peut pas voir le numéro sur le cœur. Pigeon Brothers, plumbing, electrical and. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas le numéro we don't sur leur carte. Monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks. I'd better hold on to this until later. On va aller en ville. On va aller en ville. Non, c'est elle qui va aller en ville. Et on va essayer de voir si je peux pas récupérer l'annuaire, un bottin, pour voir quel est le numéro de téléphone. Et puis les appeler pour voir s'ils peuvent pas nous aider, justement. Alors, utiliser l'annuaire. Alors, 1984. Ok. Donc, on va retourner à la fabrique. Alors, hop. 1984. On va déjà se positionner peut-être à côté de l'objectif. Alors que je valide peut-être ça. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont dispo ou pas? Je vais signaler trop fort comme ils disent, ils seront pas là. Hein. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Oh. Please try us again later. Oh, ils sont chiants. Bon, donc du coup, c'est pas eux qui peuvent résoudre ça. Il faut qu'on nous résolve ce problème de verrou de blocage qui, comme son nom l'indique, nous bloque. Faisons le point sur toutes les... Attendez, peut-être que notre ami le fantôme pourrait être utile. Est-ce qu'il peut quitter maintenant l'hôtel? Attendez, on va peut-être utiliser carrément le bouquin. Mumbo jumbo, mumbonius, etc, etc. Allez, rendez-vous à la fabrique. Some weird power is keeping me close to the portal to the hotel. Ah. I can't get over there. Là, ça m'énerve. D'accord, donc je peux pas aller plus loin, je peux pas utiliser le fantôme en dehors de l'hôtel, c'est nul. Je vérifie si je peux pas quitter l'hôtel d'une autre manière. On va se rendre dans le lobby et on va voir dans le hall de l'hôtel si on peut. Voyons voir si on peut passer par là. Eh ben non. Eh ben non, donc lui il est coincé dans l'hôtel jusqu'à temps qu'on puisse utiliser le cristal sur l'hôtel pour qu'il puisse reposer en paix. Bon non, d'accord, on pourra pas utiliser Franck à l'extérieur de l'hôtel, ok. En dehors de la tombe, évidemment. Alors, est-ce qu'on a passé à côté de quelque chose? Est-ce que j'ai déjà un objet qui permettrait de... On va regarder déjà ça.
It's a heavy-duty restraining strap and bolt, and needs a wrench to loosen it. Ok, il faut une clé spéciale pour... Et on peut pas utiliser cet outil étrange? It doesn't seem to fit that. Non, bon, d'accord. I'm sure on avait déjà essayé, mais... important use near the end of the game. Une clé spéciale. Où est-ce que j'ai vu une clé spéciale? Alors, on pourrait peut-être utiliser l'extracteur de tube à vide. It only works on vacuum tubes. Mais je m'en doutais. Alors, presse papier en forme d'animal, ça ne nous aidera pas. I'm not wearing it. Non. Je sais pas qu'elle l'utilise, mais pas qu'elle le porte. The plaque says it's a tiny replica of the starship Isabella in a bottle. I don't want to play games with my starship now. Ok, alors du côté de notre argent. Un de Chuck, Cléon, un signe, carnet. T'as pas grand chose. Bon, on va déplacer un petit peu tout ce beau monde. Seulement j'avais de la graisse ou de l'huile pour pouvoir débloquer ce truc là. Bon, ben, c'est ce qu'il me reste à faire. Il va falloir passer en vue tous les lieux et voir ce que j'ai oublié. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être de la suie. Je sais pas. Un répulsif à ours. That will just make a big mess. Hmm, ouais. Non, c'est pas ça. Ah là là, je sèche là. Là, je sèche. Il va falloir fouiller en ville. On va prendre le reste. On va fouiller en ville, alors attendez. On va utiliser la carte du comté. Ah, peut-être au mini-marché. Peut-être qu'au mini-marché, je peux trouver... de quoi dégripper ce truc-là. Oui, pizza. Il y a une réunion secrète avec une clôture électrifiée, mais je pense pas que ça soit encore dans cette phase-là du jeu. C'est en forêt. C'est assez mystérieux, beaucoup de gens s'y rendent. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Pour le moment, il faut que j'arrive à débloquer et accéder à la fabrique. Ah, peut-être que c'est prématuré, peut-être qu'il faut d'abord que j'aille en forêt. Nickel News. Comment je peux faire? Il n'y a rien pour graisser et dégripper ici. Si la vieille a d'autres recettes à nous confier. The monkey paw knows. Elle est où là?
Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore, Dolores. The bubblefish has a banana. Goodbye, Madame Marina. Come back anytime, Dolores. Je pense qu'on a épuisé, les choix possibles de dialogue actuellement sur cette dame-là. Alors, donnez le prospectus de pizzeria. She doesn't want it. Non, bah non. Pas ce bruit-là. Un espèce de baguette au premier plan, mais tu peux pas cliquer dessus ni interagir. Allez, allez vers la porte. Charmant cet endroit. Peut-être que le banquier pourra nous aider. Ah, à chaque fois il fait ça. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Attends qu'il finisse de parler. Are you coming on to me? I need to keep them on long enough to trace the call. How can I help, Miss Edmund? Bon, j'ai pu te résoudre. Les dialogues possibles pour lui. Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Ah, c'est un grain de poussière, ça. Même pas vu. J'ai pas trop ce que je dois faire à ce stade là. Franchement. On va savoir faire en plus. Normalement, quand on a rigolé à la fin, je peux bien réfléchir. Bon, on va essayer d'être méthodique. Donc il faut qu'on ouvre ça pour pouvoir allumer ça, pour pouvoir que ce truc se déplace, pour qu'on puisse accéder au dernier terminal et déverrouiller la sécurité et rentrer dans la fabrique. Et pour ça, il faut qu'on bouge ce verrou électrique. It's a heavy-duty restraining strap and bolt, and needs a wrench to loosen it. Où est-ce que on peut trouver une clé? Peut-être c'est les frères Pigeon. Le problème, c'est que j'arrive pas à les joindre au téléphone. Ça, cet outil-là n'est manifestement pas ce qu'il faut utiliser. On peut réessayer une dernière fois. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Alors attendez, j'ai juste mettre en pause 3 secondes le jeu. Parce que j'ai envie de grignoter un petit truc. Je reviens 3 secondes, j'en reviens tout de suite. Oh, oh. Ah, bon, enfin, grignoter un petit truc. Bonne petite galette de maïs. Bon, bon, bon. On avait faim et j'ai besoin de ça pour réfléchir. Parce que là, une fois qu'on passe la ville au peine fin, la première réaction que je ferais, moi, c'est déjà aller peut-être au Cookie Pal. Parce que peut-être que là, ils ont. Ils ont peut-être de quoi.
nous vendre de la graisse ou ce genre de choses-là pour dégripper. Mais c'est surtout qu'il nous faut une clé. Peut-être fouiller dans les égouts aussi. Ouais, une bonne idée. Welcome to Quickie, pal. Can I help you find anything? Alors, on va peut-être parler au mec. Alors. We're back in town, tying up loose ends. Oh, I get it. Loose ends. Wink, wink. I don't know what you think you get, but don't ever wink at me again. I just mean I get what you mean by loose ends. I'm cool, man. You don't have to be coy with me. I'll keep my lip zipped on your gnarly biz. Oh. I honestly have no idea what you think we're doing. You dudes are like the total James Bond deal, right? License to kill and all that tubular jazz? I won't say anything if you came to tie up some of those loose ends. Do you think we're here to murder someone? That's what loose ends is code for, right? No. Come on, you can tell me. I'm big time down, broski. Unless... C'est lui qui risque de se faire assassiner s'il continue. I swear, I was only holding on to that stuff for a friend. Please don't hurt me, dude. Bon. Gotta go. Catch you on the flip-flop, dude. Alors, visiblement, il n'y a pas de clé spéciale. Il faut trouver une clé spéciale. Une clé spéciale. On va fouiller en ville. On va regarder un petit peu partout. Non, non, non. Mais Léonet de Bowser, mon moment. Welcome. Alors, une clé spéciale. Peut-être là. Que je n'ai pas vu cette clé. What are you doing, Ned? Mon moment. Alors, je vois pas de clé. Il n'y a que juste des tubes. On va peut-être parler quand même à elle. Peut-être qu'elle pourra donner des infos. Hey there! Let's go over to the counter where we can talk. Non. Goodbye. Non, don't be a stranger, hon. Elle n'a pas d'infos. Un dialogue qui permettrait de trouver. Je cherche. On va voir ici. On va peut-être déjà peut-être sauvegarder. Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Voilà, on va sauvegarder là. Alors, je vois pas de clé. I'm looking for a special wrench. But I can't find it, so I need to look everywhere. Bon, ici, il n'y aura pas de... Il n'y aura rien ici. Ok. Nothing here. Nous on appellera la ligne la haute ligne pour se faire aider. Hein. Pas un problème. Bon. On va voir ici s'il n'y a pas cette clé. Généralement on le voit l'indice ou alors. Non mais ils n'auront pas ici la clé. Hein. Bon. Peut-être dans la ruelle. I'm not opening up that disgusting trash can. I'm sorry, I'm angry and I need food to feed my little brain. Ok, d'abord qu'on avait déjà vérifié. On va vérifier ici. Nickel News, j'en ai pas vu. Ouais, il me semble pas, mais on va vérifier quand même. Une clé. Non, classeur à tiroir. Je sais qu'il pourrait y avoir une clé spéciale pour déverrouiller. Non. Alors peut-être dans le poste de sécurité de la fabrique. Ah, attendez. Qui est encore la fabrique? Lui. Peut-être au poste de sécurité. Il y avait une porte qui était ouverte hein, vers le poste de sécurité. Allons voir ça.
Donc on a, il nous manque un poste de sécurité à déverrouiller. Le problème, c'est qu'il se trouve derrière l'engin. Et pour que l'engin bouge, il faut l'allumer, le débloquer. Alors, est-ce qu'il y a une clé de clé spéciale? J'en vois aucune ici. Ouvrir le bureau, peut-être. Ouvrir. Non. I can't open that. Non, il n'y a rien du tout ici. There's nothing here. Crap. Ok, back in town. Allez, on va fouiller encore ici. Nickel news, ça c'est bon. Bon, on avait déjà fouillé tout ce temps. Attendez. La poste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une clé? Rumeur adhésif, pèse lettre. Nope. On va parler quand même au postier. Back for some more postal wisdom. Non, mais c'est bon. Thanks for talking. Come back soon. The post office is a fascinating place. Morning to you. Fapping Arlequin, trying to solve this game. Looking for a special wrench to unlock something. Cast your lot before it's too late. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore, Agent Ray. The water is coldest where the darkness is the sweetest. Vous avez encore des trucs bizarres en sol. What other crap do you have on sale? We also have these interdimensional 3D glasses to unpixel your world. Oh. Put these on at your own risk and be warned. The controls are clunkier and the graphics are terrible. I'll pass. Goodbye, creepy woman. Bémonite. Allez, s'il n'y a pas autre chose là-haut. Non. J'avais déjà récupéré le bouquin tout en haut. Hein. Waouh. Non. Don't touch the books unless you know what you want. I'm fine. No more. I was just hungry. Okay. Ok, on va check in at the town hall. Donc on va vérifier à la mairie. Alors, saut de la ville. Fontaine. Ici on avait déjà tout fait. Parler, tiens. Ah oui. I'm innocent. You couldn't have been very good at your job. Well, I was a watch and violin repairman to the stars. My clients were the creme de la creme of the county. Ouais. When Chuck Edmund blacklisted me, all my A-list clients dried up. Got to go, murder boy. Get bent. Ok. Nothing here. Rien ici. Non. Bon, on va peut-être appeler la hotline. De secours. It says, need help playing Thimbleweed Park. Call the fully automated Hintron 3000 at 4468. Interesting. Ok, allez, c'est parti. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? J'ai besoin d'un indice. Puis-je trouver une clé? Arriver à déplacer un camion. Have you tried pushing the bolt?
Pour déconner. Bah oui. You'll need a wrench. Have you seen one in the game before? Ah mais je sais pas où elle se trouve. Je sais que I need the wrench. Je sais que j'ai besoin de ça. The Pigeon Sisters had a wrench in their toolbox. Oui, mais j'essaie de les appeler mais ils viennent pas. Attendez voir. Je sais comment Thank les appeler. You. Goodbye. Souvenez-vous la dernière fois. Pigeon Brothers, Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wrench around. Look ouais. us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. The last time, we didn't go to the hotel. The hotel was calling them, but didn't come, but maybe in this part we're gonna come. Donc, en fait, la dernière fois, ils y venaient pas. Donc, on va revenir à l'hôtel. On va mettre Frank dans la chambre 401. So I need to put Frank in the room 401. On the fourth floor. Donc, en fait, il faut aller retourner dans la chambre 401, faire peur au type. Et à chaque fois, le majordome, enfin le... L'employé de l'hôtel appelait, mais il venait jamais. Cette fois-ci, peut-être qu'ils vont venir. Ok. Donc on va faire ça. Et on va mettre juste en position Dolores. On va faire venir Dolores à l'hôtel. Hôtel, voilà. I wonder what the guest is up to now. Ensuite, on va... Venir ici, on va faire peur à ce type-là. What was that? Voilà. Again? Maybe I didn't imagine it. That poor man. I've got to keep trying to help aboo him. Peut-être que cette fois-ci ils vont venir. Maybe they're gonna come. It's the Edmund Aboo Hotel. We've got an emergency aboo right now. What do you mean you're not available tonight, aboo? You're supposed to be a 24-hour service arena, Aboo. Where will I find someone else, Aboo, at this hour? Les pigeons broiseurs. Huh. Well, maybe I imagined it. Alors, attendez, l'annuaire. My hand just passed through the pages. I can't open it. Ok. Y'a pas un annuaire ici, là? On va aller en ville. Il faut que je consulte de l'annuaire. I need to find the number of the... Oh! Pigeon Brother is 19... I'm gonna call them. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Hey. Please try us again later. D'accord. Donc les signaux sont trop forts pour qu'ils viennent. Ça veut dire qu'il faut que je diminue la puissance des signaux. Peut-être qu'il faut que je m'occupe de la station de radio une fois de plus. Ok. Toi tu vas aller à la station de radio. Parce que quand il parle de signaux, ça doit être ça. C'est parti. Oh. Donc logiquement. Oh, let's get the clown to climb the ladder. Oh. The circus freak will climb the hey. Ladder. Waste of my time. For making me do this. Hey, c'est pas gentil. It's not very stupid nice. Stupid ladder. Ok. Stupid ladder. C'est bon. Serves him right for that radio show. Now I better get out of here fast. Oh no, we're off the air again. Ok. Ensuite, on va retourner ici. Utiliser. Ça va marcher cette fois-ci.
Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Comment faire pour que les signaux soient moins forts? Et de quoi il parle exactement à propos des signaux? Ça m'énerve. Welcome back to the Hintron 3000. Oui. How can I help you? Bonne analyse. Alors, quelque chose d'autre. Quelque chose dans l'hôtel. Unless you're following hints here to get a specific item you know you need, you may be okay to come back to this later and not spoil yourself yet. But, if you want to solve the hotel guest issue now, let's proceed. Ça, c'est bon! The hotel manager is calling for maintenance, but they're busy. Who could the manager call? Les pigeons brosseurs! The pigeon sisters do plumbing and supernatural work. Maybe they can help? Oui, mais ils peuvent pas venir, les signaux sont trop forts. Give the pigeon sisters' business card to the hotel manager, then try scaring the hotel guest again. D'accord, il Thank nous faut you. La carte. Goodbye. Oui. J'aurais What jamais fly? Pensé, en fait. J'aurais jamais pensé, c'est pas les signaux n'ont rien à voir. Ok. Allez. C'est bon, j'ai pas besoin de la station radio. All back to normal again. Alors, hôtel. En fait, il faut juste donner la carte. Après, s'il y connaît pas, alors donnez la carte de visite au gérant. I heard a rumor your maintenance people aren't available tonight. Why don't you try the Pigeon Brothers? Why, Abu, that's exactly what we need. Thank you so much, Abu. Ok, donc on recommence. On va faire peur, alors. What was that? Again? Maybe I didn't imagine it. That poor man. Maybe these new people can help Abu him. Poultry Brothers Plumbing, Abu? We've got a maintenance emergency, Abu, right now. You can be here right away. Thank Abu you. Allez. Oui. We've received a signal that you're in need of some paranormal plumbing and electrical help. Thanks. Let me know when you're done. Ok. Allez, Dolores, à toi de jouer. Ah, j'aurais dû y aller directement, en fait. Ils ont laissé la porte ouverte, peut-être que je pourrais attraper la clé. Voilà, on a piqué leur clé. Maintenant, direction la fabrique. I can't push that. Non, je vais pas pousser ça. Je vais juste regarder la carte. Hop, fabrique abandonnée, c'est parti. Là, on va pouvoir du coup atteindre le poste numéro 4. Donc le 2, c'est bon. Camion doit se trouver ici. Alors, utiliser la clé. Donc la clé qui se trouve ici. Sur le verrou de blocage. Voilà. Aller vers la batterie. Ouais, utiliser la batterie peut-être. That doesn't seem to work. Voilà. Voir la batterie. It's an old discharge battery. D'accord, comment faire pour la charger? It's an old discharge battery. Il faut que je la remplace cette batterie. Pourquoi c'est si compliqué? It says Philips dangerous device and it has a red button and a speaker on it.
Yes, I can speak English. Yeah. It depends. Most of the time, I have an English viewer. Because I try to have some game with at least voice in English or text in English. Yeah. Yeah. Okay, so I need to charge this battery here. Yeah. Où c'est que je pourrais charger ça? Voyons voir. Un endroit où il y aurait de l'électricité. Ah, je sais, Franklin! Frank! Ok, let's go. Let's go back to the hotel with Dolores. Dolores. He can zap the battery. Alors, Frank, il est où? On va le faire redescendre. Ok. Alors, par contre, c'est que je vais même pas poser la batterie, moi. Zap. Ah non, je peux pas. Il faut que je pose la batterie quelque part, et le problème c'est que lui il veut pas sortir de l'hôtel. Alors attendez. Où c'est que je pourrais poser la batterie? Un endroit où je puisse poser la batterie. Ah, c'est pas si facile. J'ai une batterie à charger. Comment je pourrais faire? Allez voir s'il y a un endroit dans l'hôtel où je pourrais poser la batterie. It doesn't work with that. Non. Où est-ce que je pourrais mettre cette batterie? Ça m'énerve. Ah, le but c'est que, en fait, le fantôme zappe la batterie, quoi. Et le fantôme ne veut pas sortir de l'hôtel. Il peut aller juste. Il peut juste aller. Ah. Ça serait une idée. On peut peut-être aller au cimetière. Non, ça va pas fonctionner. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais poser une batterie ici? Parce que je peux pas donner la batterie à Frank, c'est un fantôme. I can give the battery to Frank. Ok. I'm angry, yes. I need to feed my little brain so I can solve the mystery. Comment je peux charger? Oh, Dolores, how lovely to see you today. How may I be a boo of service? I'm going to check out the beautiful lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Comment je peux faire? Il faudrait que Dolores pose la batterie. I need to put the battery somewhere. Alors, utiliser la batterie. Camion avec. Je sais pas moi. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais charger une batterie? Quelque chose qui utilise une batterie. It's the key card for my room. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui fonctionne avec une batterie? Bon, attendez. Je suis paumé, donc on va demander de l'aide. Ask for help.
Welcome back to the Hintron 3000. Yeah, yeah, yeah. How can I help you? Alors. Comment puis-je charger la batterie? Although Franklin is good with electricity, he won't be able to help you out in this case. Ah, d'accord. Ok, bon. Thank you. Goodbye. Donc c'est pas Franklin. D'accord. J'étais sur une fausse piste. Donc il faut charger la batterie ailleurs. Bon, moi c'est déjà ça. Alors, c'est qu'un endroit où il y a de l'électricité où je pourrais charger quelque chose. On va prendre Dolores déjà. Attendez, si je disais le four à micro-ondes, c'est tellement débile. Il y a un four à micro-ondes au manoir? Il y a un four à micro-ondes. Si je mets le four à micro-ondes, la batterie dans le four à micro-ondes. Ah, c'est tellement débile. Alors, attendez. On va aller au manoir. Voilà. On va aller dans la cuisine. Je crois que c'est par là, la cuisine. Alors, utiliser la batterie. C'est très dangereux. Hein. Ne faites pas ça chez vous. It doesn't work with that. Non, bah non. It's an old discharge battery. It doesn't work with that. D'accord, bon, c'est pas ça. Ok. Alors peut-être dans ma chambre j'ai un gadget pour recharger. Diggin. Ou alors peut-être dans le dans le bureau de. Dans l'ancien bureau de Chuck. Il y a plein d'appareils là-bas. Un oscilloscope. Utiliser la batterie du camion avec l'oscilloscope. It doesn't work with that. Non. Utiliser la batterie du camion avec la tête de robot. It doesn't work with that. Utiliser la batterie avec le robot. It doesn't work with that. Les étagères, c'est pas un chargeur ça, non. Oscilloscope, tête de robot. Non. Bon, on va essayer dans la chambre de Dolores. Ok, est-ce que j'ai pas un chargeur ici, quelque chose qui m'aiderait à charger une batterie? Il y a un jeu en plus là. Ah, j'ai jamais remarqué ça. Lurline, my pet chinchilla stuffy. Oh, Dad gave it to me when I was 3 years old. J'ai jamais remarqué, tiens. Prof de mathématiques, figurine. Non, il n'y a rien qui permettrait de charger. Quoique, attendez. Utiliser les batteries de camion avec. It doesn't work with that. Non. Utiliser les batteries sur l'ordi, peut-être. It doesn't work with that. Non. Nope. Alors, regardez dans la bibliothèque, c'est pas quelque chose qui permettrait de charger. Ah, peut-être ça. I can't open that. Utiliser les batteries de camion avec. It doesn't work with that. Ok, bon, c'est pas ça. Ah, tiens, il y a un grain de poussière là, j'avais pas remarqué. Hop. Non, je suis allé par là. I'm at the staircase. I'm at the staircase. Should I use it? I'm at the staircase. Should I use it? Comment je pourrais charger ça? Oh tiens, une pelle rouillée. Prendre la pelle. Oh, je sais quoi faire maintenant. On peut aller dans la forêt pour déterrer quelque chose. On va sauvegarder la partie. Now I have a shovel, so I can dig in the forest. Finally. I need that special head here. That scary head.
I'm gonna go to the forest. Donc on va aller à la, dans la forêt. Il nous manquait juste une pelle pour creuser. Il y avait un emplacement mystérieux dans la forêt. Donc on va aller dans le, au sentier. Juste là. Alors, à chaque fois, il faut regarder la tête qui indique la bonne direction. You have to follow the head that moves in the proper direction. Ok. Ouais. Pretty disgusting head. Pretty disgusting. Why? Continue turning. It's not supposed to do that. Okay, let's do this again. Okay, left. Right. Oh, that's probably a mistake. I need to go back. Okay. This direction. Left. Here. Yeah. Left. Right. Il faut que j'aille à droite. Par là. Ah ah, voilà. On va lire la plaque à nouveau. Honoring past adventure gamers who have reached this spot without a shovel and need to load a save game. On va utiliser la pelle. Utiliser la pelle rouillée sur la plaque. That doesn't work. Non, alors, utiliser la pelle rouillée sur le sentier. That doesn't work. Bah c'est une arnaque ce truc, c'est quoi ces conneries là? I can't open that. Alors peut-être qu'il faut creuser ici. It says, here lies a treasure of great value. Dig if ye must, but do not complain if 'tis not what ye expected. Allez, c'est là. Donc du coup, ça doit être là. Lisez l'appel sur... That doesn't work. Mais non, mais... Oh! Ah, c'est pas vrai, il faut que je recommence tout. Allez, à gauche. À gauche encore. Il fallait par là, en haut. Ici. À droite. Ah, c'est par là. Hein. À droite encore. Bon, c'est bon, on est de retour ici. Alors attention, hein. It says, here lies a treasure of great value. Ah, il y a une croix. Regardez. If ye must, it's Doug's old rusty shovel. This shouldn't take too long. On y enchaîne histoire d'économiser sur les coûts d'animation. Oh, a bag of tokens. How rad. I wonder who buried them here. Eh, c'est pour les salles d'arcade peut-être. It's a bag of tokens. D'accord, on va retourner en ville. I can't push that. Non, je veux pas. The map is useless in this forest. Ok, attends. Alors, on sort là. On va aller en ville parce qu'il y a une salle d'arcade.
Est-ce que c'était ici? Voilà, c'est là. Alors, voyons voir ça. Déjà, j'avais un guide pour m'aider. Voilà, c'est sauvegardé quand même. Parce que là, on avance bien là. C'était un guide qu'on va décoder, puisque j'avais un décodeur à gel rouge ici. Et il y avait le guide d'indice. Donc, utiliser le guide d'indice. Donc, c'est pas ça. Colossal Dungeon Cave Quest 2. Alors, est-ce que je l'ai là? Ah, il est pas là finalement. C'est étonnant d'ailleurs. Alors, je pense que c'est plutôt pour utiliser sur les jeux vidéo. Celui-là est cassé. It's the famous game, Tuna Head. Everyone has to play this at least once. It's out of order. Bon, bah, il y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut essayer tous les jeux. That machine won't hold this many tokens. Et non, j'utilisais juste un. Alors, utilisez. Ah, c'est peut-être ça en fait. Now it's full of tokens. Tout ça pour en avoir un seul? Mais vous rigolez les gars. It's a token for this arcade. Alors, utilisez le jeton. Non. Ok. Quoi ça m'aide ça? C'est ridicule. Ça va pas m'aider hein. Alors attendez, utilisez le token Tron. Je vois pas en quoi ça peut m'aider tous ces trucs là. Le bar à fumer, mon moment. It seems to be out of tokens. Slime. Ah oui, d'accord, faut tirer sur les gens. Ah d'accord, il y a un truc limite. Ça m'aide pas vraiment. Utiliser. What are you doing, Barafou? Ok. It's out of order. Ah. Let's try the last one. Oh. Utiliser. That's strange. This one was really thrilling, but only when you were killing. It's out of order.
T'es sûr? I can't open that. I can't pull that. Okay, so I can play video game. So what's the big deal? Maybe I need to use that for another game. I have a guide here, but not for a game. Not the game they have here. So that's strange. C'est le décodeur rouge sur. On dirait la solution peut-être de la fabrique, là. Une cassette Betamax. Ok. I need to find a way to charge this battery. I'm gonna call the helpline. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Ah, j'ai besoin d'un indice. Pour charger la batterie. You need to find some place with a strong electrical current. You haven't found the location yet. So, consider waiting until later and doing other things first. Ah, d'accord. You haven't found the location yet, but you can get to it from the forest trailhead. Oui, thank d'accord. You. Goodbye. Oui, je sais qu'il y a une clôture électrique. Yes, there's an electrical fence there because I saw there's a on this flyer here. They said don't touch the electric fence. So I need to find that place here, Tumbleweed Pizza. It's in the forest. Well, that's why there's so many people there. Donc, en fait, ça se trouve dans la forêt. C'est pour ça, justement, que tellement de gens sont dans la forêt, en fait. Ils vont tous acheter des pizzas là-bas. Ça me donne faim. Mais où c'est que c'est, bon sang? Non. Comment je peux faire? À moins que je parle aux gens qui... Alors... Est-ce qu'on peut leur parler? Leur montrer, donner le tract de la pizzeria. Ah. Come on, there's so many people usually walking here. Now, why there's nobody here now? That's strange. C'est vraiment bizarre, normalement il y avait du monde qui passait toutes les 30 secondes là. Alors peut-être que maintenant on peut y aller. On va suivre la tête. Pretty disgusting head. Doesn't work anymore. That's strange. Where is the pizza? I need to find the pizza place. I can't push that. No.
Alors, pizza de la ville. Cette réunion secrète, ne pas toucher la clôture électrifiée. La réunion secrète. La réunion secrète. Ce truc ne donne pas l'indice sur l'endroit exact. It's a puddle full of muddy water. Ah, y a quelqu'un là. Je peux pas les suivre. Ça m'énerve. Utiliser le prospectus Pizzeria. Le problème, c'est que je peux pas cliquer dessus. Je peux faire. Open an account today and get a free toaster. Comment localiser? Cette pizzeria. La tête maintenant ne m'est plus du tout d'utilité. Pretty disgusting head. There's a small name tag. Set the navigator head. I can't push that. Pretty disgusting head. There's a small name tag. Set the. I can't open that. Ugh. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from. It's an odd looking plumber's wrench that says Wrenchtron 3000. Where am I supposed to locate the pizza, the secret stuff for the pizza? Maybe I need to talk to someone in town. Faut que je sorte de là. Peut-être qu'il faut que je montre le prospectus à quelqu'un. À qui je pourrais montrer ça? Alors, peut-être à la station de radio, non. À l'hôtel déjà. Ils auront peut-être. Alors. Données. Le prospectus. Ah, au gérant. He doesn't want it. D'accord. Bon. By the power of Grayskull, I greet thee. Ah. I'm off to check out Fimble. Il pourrait m'aider pour cette histoire de pizza. Ça m'énerve. Hi. Hey, il est là, lui. I'm selling comics, D&D manuals. Hey, il était à la pizzeria. Attendez. Goodbye. Pew, pew, pew. Utiliser le prospectus de pizzeria sur. Non, je peux peut-être parler à ce mec-là. On peut pas Hi. Lui parler. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. Goodbye. Yeah, but it's a free toaster in that game. It's funny. Pew, pew, pew. Non, non. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D oh. manuals, and original Star Trek spec scripts. Goodbye. Alors, donnez le prospectus de pizzeria. He doesn't want it. Pew, pew, pew! Pirate robot. It's a character from the upcoming adventure game called Robot Island. Alors, donnez le prospectus à. He doesn't want it. Non. He doesn't want it. Il
Nope. Hi. Anything I can interest you in? No. I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. Nope. Goodbye. It's my specks of dust. Okay, I already need some help. Désolé. Donc j'ai vraiment besoin d'aide parce qu'il faut vraiment que j'arrive à rejoindre cette pizzeria, ce lieu de réunion. How can I help you? Alors, on se rend toutes les personnes. Je dois découvrir où se rendent toutes les personnes qui entrent dans la forêt. Bah oui. Look at the pizza flyer for hints. Oui, bah oui. Mais... Where might the secret meeting be, given the locations available on the map? Dans la forêt, je sais. Mais comment y atteindre? If you go to the forest trailhead, it's a little green square on the map. Do you notice people behaving strangely? Oui, je sais ça. I know all these things already. People are walking into the forest as if to something secret. Je sais, mais comment je fais pour y aller? You can't follow them, but if you look carefully at their behavior, you can see they're all doing the same thing. Oh, okay. Thank you. Goodbye. Vraiment? Ok. Ils font tous quelque chose. On ne peut pas les suivre, mais ils font tous quelque chose. Voyons voir ça. Restez là et on va attendre, on va voir ce qu'ils font. On va observer. Tiens, ils marchent tous dans la flaque d'eau. Alors attendez, on va recommencer du coup. Ok. Oui, enfin, le problème c'est que ça m'aide pas. Non, ça m'a pas aidé. Alors attendez, je dois louper quelque chose. Il marche dans la flaque d'eau à chaque fois, on est d'accord? Peut-être qu'il faut marcher dans les flaques d'eau partout. Ok. Après, je vais dans quelle direction, moi? La tête ne me donne aucune indication. Ah mais ça m'aide pas du tout en fait. Il aussi marche dans la flaque d'eau. It's a puddle full of muddy water. Attendez voir, je pourrais les suivre en suivant les traces au sol. Ah. Alors attendez, est-ce qu'il y a des marques au sol? Même si je vois rien du tout. Est-ce que c'est des traces? Bah non. Ou alors, attendez, je vais mettre de la suie noire. Oui, j'ai trouvé. Regardez. J'ai de la suie noire fine. Utilisez la suie noire fine sur la flaque. That will just make a big mess. Bah oui, mais justement, c'est le but. That will just make a big mess. Voilà, il faudrait de la peinture. De la peinture. Ou alors peut-être et de la canette de Poopsie. Utilisez la canette de Poopsie. I don't want to waste it on that. Alors, utilisez la Nursworth. La suie noire sur la canette. That will just make a big mess. Mais c'est le but justement. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la peinture sur lui? I need to get into the factory to get my prototype doll back. Il faut que je trouve de la peinture. It's my next lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hamster crap. C'est que je dois trouver de la peinture. Ou que juste qui permettrait de mettre dans la
à la flaque d'eau. Comme ça, je pourrais suivre à la trace les... Donc je sais ce qu'il faut faire. Attends, je sais pas. Je sais comment le faire, mais je ne sais pas où trouver la peinture. Alors, crémantine et margison, ça va pas ça. Distributeur de bonbons, c'est pas ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a pas grand-chose. Il a sa montre. Je sais que j'ai vu de la peinture ici, moi. Tout ça pour charger une batterie, vous vous rendez compte? De la peinture. Où est-ce qu'il y a de la peinture? Bon, je sais, je me fais aider un peu, mais là, je suis vraiment Welcome bloqué. Back to the Hintron 3000. Ouais. How can I help you? Faut que je trouve un indice. Alors. People are walking through the puddle on their way in. Mais ça, j'avais vu, je sais. Mais il faut juste mettre de... Can you find a way to make their footprints distinctive? Oui, je sais, mais... Something in the game is of a very distinctive color. Ouais. You can find some radioactive waste out the back of the ah, factory. Ah oui, d'accord. Ok, bon, alors attendez. Thank you, goodbye. Là, alors là, de la truc radioactif, what the fuck? Ce truc-là, tu veux dire? Le truc radioactif qui est super dangereux? Alors, attendez. Il était où déjà? Là. Comment je fais pour collecter quelque chose? Il y a des objets qui me permettraient de collecter ça. I still have the brush, but no more fingerprint powder. Mat, passe papier en forme d'animal, suie, noire fine. Oh là, si j'utilise la canette de Poopsie. It's a can of Poopsie. Ah, utiliser. I don't want to waste it on that. Bon, alors non. C'est aller à la fabrique. On va aller à la fabrique. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Alors j'espère pouvoir remplir la canette avec le liquide radioactif. Alors, utiliser la canette de Poopsie sur... I don't want to waste it on that. Hey. Alors, peut-être le presse-papier. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Comment je peux faire? That will just make a big mess. D'accord, non. Qui sait qu'il y aura un objet qui permettrait de m'aider? Attendez, je sais qu'il y a quelqu'un qui a une bouteille. The plaque says it's a tiny replica of the starship Isabella in a bottle. Ok, allez, direction la fabrique. Je vais peut-être récupérer la bouteille pour pouvoir... Non, c'est pas là que je veux aller. Fabrique, voilà. Après tout, une bouteille est une bouteille. Alors, utiliser. The plaque says it's a tiny rep. I don't want to play games with my starship now. I don't want to play games with my starship now. I don't want to play games with my starship now. Il veut pas utiliser la bouteille, bon. Et avec quoi je pourrais collecter ce liquide? Allons voir qu'est-ce qu'il a lui. On va aller jusqu'au cirque peut-être.
Je suis coincé. Je sais qu'il faut utiliser ce liquide là, mais je sais pas comment le collecter en fait. La bouteille me paraissait une bonne idée. Ah, j'ai envie vraiment d'avancer. Ouais. Je suis désolé, aujourd'hui j'utilise beaucoup les aides parce que là je suis vraiment coincé. Bon. Welcome back to the Hintron 3000. Oui. How can I help you? Il me faut quelque chose pour pouvoir mettre. Alors. Je sais que j'ai besoin d'une carte, mais genre comment je peux en obtenir? You need a special container for the radioactive waste to move it. Oui. Bah oui. Il est où ce container? There's one specific container which is made of impressive sounding metals. You don't have this container yet. Keep looking for something. Dolores has a lot of strange things in her room. Perhaps something there will work. Ah, le trophée? Thank you. Elle a un trophée sur une. Elle a un trophée sur son étagère. Ouais, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Quoi. Non, c'est Dolores. Sinon, elle ne pourra pas y aller. Elle ne pourra pas rentrer la jambe. Voilà. Allez. Ce truc là, le trophée de mathématiques, on va. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman School of Mathematics. It's made out of solid pewter, except for the infinity symbol, which is pure titanium. Wow. Voilà, trophée de mathématiques. Oh là là. Et ici. Donc, d'accord. On va retourner à la fabrique. Voilà. On va utiliser le trophée sur le conteneur qui fuit. Non, je suis de mauvais côté encore une fois. Donc, on va utiliser le trophée pour collecter le liquide radioactif. It's now filled to the brim with radioactive waste. OK. Donc maintenant, on retourne dans la forêt. You go back to the forest. I can't push that. Non. Ensuite, on va utiliser le liquide radioactif sur la flaque d'eau. Better not contaminate the water while someone's watching. Better not contaminate the water while someone's watching. Voilà. Maintenant, le prochain qui passera, on va voir les traces de pas. Ça pourra le suivre. So I can follow the guy in the forest. Next one to step in the puddle. Come on. Anytime now. Allez. Il y a toujours un qui arrive là. Bon. Bon moment. Allez. Ah, c'est bon flan, peut-être qu'il faut réinitialiser la scène pour qu'ils arrivent. Voilà. Ah, les traces de pas maintenant. Ah. Ah. Il n'y a plus qu'à suivre. Alors c'est par là. Ensuite par là. Ça continue par là. Ça va ensuite par là. Oui, super. Alors ne pas toucher s'y approcher, il n'y a que clôture électrifiée. Entrée interdite. Alors peut-être utiliser la batterie de camion sur la porte électrifiée.
Ouch. Et au moins la batterie est chargée. Par contre, on aura peut-être besoin de rentrer. Donc, on va utiliser le code. Alors, voir. 19, 26, 17. Vas-y, m'attendais à ça. C'est quoi cet endroit? Dolores had. Are you gonna use your mind control ray on us? Out! Out! Out before you change my mind! Bon, en tout cas, on peut pas aller plus loin. Et au moins, on a une batterie chargée. Donc, du coup, allez, on va ici. On va aller à la fabrique. J'aime bien comment elle tourne dans la forêt. Ensuite. Alors, le camion était par là. Alors, utiliser la batterie chargée avec ça. Oh, thank you, Vaping. Arlequin. Ok. Ensuite, tirer le verrou. I can't move it with my hands. It's okay. Rusted in place. Ok, I'm gonna use a wrench. And I'm gonna use that. Oui. Ok. So I need that guy here. So let's check the this one. Okay. So the next one needs to be 5:30. Donc le dernier doit être 5h30 selon le manuel de sécurité. On va juste arrêter ce truc là, tiens. Voilà. Ça va peut-être mieux. Alors, utiliser la montre sur. Donc, on va mettre. Oui! Ça y est, tout est ouvert. Oui! Finally! Allez. C'est par là. Non, c'est pas par là. Alors, avant d'entrer, on va amener tout le monde là. On va avoir besoin de tout le monde. Hein. Aussi. Voilà. Ensuite, notre ami. Thank you.
Ok. Allez, c'est parti. Et Dolores, c'est toi l'honneur d'appuyer sur le bouton. Nothing happens. What? When those security lights are all green, the door can be unlocked. When those security lights are all green, the door can be unlocked. Ah, utiliser, pousser le bouton rouge. Nothing happens. Hey. It's a tube socket for Uncle Chuck's secret PF001 Tron tube. What? Wait, I've seen a picture of one of these somewhere. Yeah, but I'm supposed to get this tube. Mon. Okay, first I'm gonna try at the shop. And then I'm gonna try to get the drawing at the mansion. Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's YouTube. How can Allez, I help on va you? Se me proposer les choix, là. Do you have a PF001 tube in stock? Oh, the PF001 is a top secret tube that only Chuck knew about. But I have never seen one in person. I don't have any in stock, but I think there was only one or two produced. But if I had the design for one, I could probably make it for you. Le tube représenté sur le schéma de ce t-shirt est-il un PF001? Is the tube schematic on this t-shirt for a PF001? Oui. Yes, it is. I might be able to build one using that schematic. Okay, here's my t-shirt. Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. What the fuck? Here's the PF001 tube, exactly how Chuck designed it. Thank you. Titos, I'm angry. Okay, I have the tube. Yeah. Okay. Let's go back to the factory. Alors, utilisez le tube PF001 sur... It fits perfectly. The doors moved a little, but stopped. They must be stuck. Come on! C'est pas possible! It's an odd-looking plumber's wrench that says Wrenchtron 3000. It opened just a little more. Ah, faut peut-être que quelqu'un d'autre l'aide. It opened just a little more. Allez. I think someone could squeeze through now. D'accord, un seul. Reset. Un seul peut faire ça. What the fuck? Ok, on va utiliser Dolores. Alors. On va passer des bords sur le clown. It moved. Non, c'est pas Dolores, c'est lui. Elle. It opened a little more.
I think someone could squeeze through. I think I can squeeze through the opening now. Oui. Holy. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, you said it, Plum. This can't be. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? It's not possible. Quoi? What have you done, Uncle Chuck? What? Sixième partie. Septième. La folie. C'est vrai qu'on est déjà à la septième part. La folie. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? This looks like bouncing wings. Shut up, Ransom. Nom d'un chien, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, déco ce qui est arrivé à papa. Ouais. Déjà, on va déjà sauvegarder la partie parce que là, ça commence à devenir chaud patate. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce bruit là? On a un chien, il y a des robots partout. I can't go out there. Those I can't go out there. Those SRO-1 robots would kill me. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Manuel? I don't think I have the manual for that. It's a very strange looking tool. Utiliser l'outil. I'm sure it has a very important use. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. It's not bad too, okay. Quelle de fabrique. Le guide d'indice, ça va pas m'aider. On peut rien faire ici. Il me faut un guide d'indices. Oh là là. Faut reprogrammer ça. I don't want to pick. Bon, en tout cas, au moins c'est ouvert, ça c'est clair. Revérifions les listes de tout le monde. Alors, faut voler le secret de l'intelligence artificielle de la fabrique d'oreillers. Récupérer 16 grains de poussière. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des grains de poussière dans le coin là? Ouais, ça j'en vois pas là. Ça va pas m'aider des masses tout ça. J'ai pas récupéré de manuel. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être aller chez Chuck. On va prendre Dolores. Non, c'est pas ça que je veux faire. Peut-être qu'il faut que je m'introduise dans le truc des pizzas là. Hello Lion Chats, maman. I'm fine. You're doing. Ok. I'm gonna go back to the mansion. First, I'm gonna check. Oh, maybe I can look for in the library. On va regarder dans la bibliothèque si on peut pas trouver un livre qui pourrait nous aider.
I see there is a manual on the SR-01 security system. It's in section 2.1. Okay, let's check again. This is Uncle Chuck's Index Tron 3000. I see there is a manual on the SR-01 security system. It's in section 2.1. 2.1, okay. 2.1. Okay. I'm at the staircase. Should I use it? Section 2.1. Okay. Running F. Nope. Okay. AI personality generation, AI volume 5, maybe this one. I shouldn't take this out of the library. Okay. Alors, on était redit par nos backers, supporté dans. D'accord. Personnalité, maman. Nope. Crap. I probably need the computer for that. I shouldn't take this out of the library. Mama. Oh, nice. Nice. Computing tomorrow. Ah, yes. Programmation du SR-01. This is the book I'm looking for. Yeah, I got it. I got the book. Alors. Ok, certification. Toutes les 2-3 semaines, on a mis à la ref. Maintenant. Now I can reprogram those guard robots. Ok. Let's go back to the factory. Yes, I'm French. I'm French drinking. Not here. Oh no. Okay. Okay, sorry. I can't go out there. Those SR-01 robots would kill me. Alors, ouais, I've read the manual. Le boîtier de programmation à distance. Hey, c'est qui les boîtiers, mon. Now I can reprogram those guard robots. I have to find the remote. Where is it? Maybe. Maybe I should save the game first. Okay. Okay, I'm pushing it. What?
Hey! What? It was a bomb! Holy shit! I'm supposed to use that. Now I can reprogram those guard robots. Comment je peux faire? I'm supposed to do that. Outil étrange, ça peut être ça. Alors, donner outil étrange. Alors. I can't give this tool to anyone. It's too important. Okay. Oh, I'm supposed. I need to find a remote. Il faut que je trouve cette télécommande. The book says I need to find a remote. I think. Leroline, the sensia. Oh, Leroline. You're so soft and fluffy. Ugh, smells awful. I can't go out there. Those SR-01 robots would kill me. I've read the manual. Now I can reprogram those guard robots. Okay, I'm gonna try to go back to the computer of the girl at the mansion. There's a computer, maybe I can use it. Alors, utiliser. Now I can reprogram those guard robots. It's my state-of-the-art Commodore 64. With dual 1541 floppy drives, wow. And a blazingly fast 1200 baud modem. Wow. Extrêmement dangereux en cas d'utilisation incorrecte. Alors, le boîtier de programmation. Now I can reprogram those guard robots. Now I can reprogram those guard robots. I can't use that in the Printron 3000. Now I can reprogram those guard robots. Now I can reprogram those guard robots. I need something to program it. Let's check in the junk office. I don't have a reason to use Uncle Chuck's oscilloscope. Bon, bah, je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. I think I'm gonna stop here for today. We need some serious progress today. Oh, bon. I hope next time we can finish it. I just need to find a way to
program the robot. I have the book, but I need to find a remote control, something to control the robot. I don't know where it is. Donc voilà, il faut qu'on trouve juste maintenant un boîtier de contrôle à distance pour ces robots. Mais je ne sais pas où en trouver un, on cherchera. La prochaine fois, donc je vais vérifier. La sauvegarde a bien prise. Oui, c'est bon. Donc on va faire un petit raid. Stay tuned, we're gonna do a small raid. I'm gonna close the game. Allez, c'est parti. Here we go. Small raid. Let's see who's online. Alors, on va voir. Let's see. Oh, it's okay, I can use building help if I really need to, but I want to finish the game by myself. Yeah, Tristan is streaming Stardew Valley. Nice. So we're gonna raid Tristan. Donc on se retrouvera la semaine prochaine, sûrement mercredi. I will see you probably on Wednesday because I want to do a Genshin Impact stream because the second part of the Lantern Rite is now available. Et j'ai envie de faire un stream ce mercredi de Genshin Impact puisque la seconde phase du Festival des Lanternes est disponible. Donc on fera un live sûrement à 21h. Heure de Paris. So I will see you on Wednesday at 9 PM Paris time for a new stream of Genshin Impact. Avant cela, bah, prenez bien soin de vous. Take care, everybody, and I will see you next week. On se voit mercredi. Merci d'avoir regardé. Thanks for watching. Thanks for your support. See you next time. Bye bye.